On se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover. De bon matin, oui, je sais pas, je me suis levée ce matin, j'avais envie de jouer. Hop, donc on va pouvoir y aller. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté avec Farah. Et ouais, donc là, elles sont en train de se demander ce qu'elles vont faire, sauf que la dernière fois, elles s'étaient mis d'accord pour se retrouver et pour faire... Bah, pour discuter en fait tout simplement, elle s'était déjà mis d'accord pour ça, mais apparemment la nuit est déjà bien entamée, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Ok. J'ai pensé au Moon Dance hier, mais y arriver à cette heure-ci, ça ne sera pas marrant. Le Moon Dance, c'est un bar, effectivement. Si c'est pour se taper les relous de fin de soirée, je passe mon tour à fond. Tiens, ça change d'Aaron. Tout le monde n'est pas resté bloqué au siècle précédent, apparemment. Ah? Comment ça? Je comprends pas. C'est normal de ne pas vouloir se faire chier avec les relous. Ok. Bon, à part la forêt aux alentours, je ne connais pas grand-chose. Je t'avoue que ce n'est pas mon lieu préféré en ce moment. Pourquoi on ne lui ferait pas visiter la ville, tout simplement? Ah, pourquoi? Restons vagues, je n'ai pas envie de me confier à elle. Autant lui dire la vérité, elle finira par le savoir, j'en suis sûre. Elle attend de moi que je me justifie. Alors même moi, je ne vois pas trop ce qu'elle a voulu dire. Donc, attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Est-ce qu'elle parle du coup qu'elle s'est mise à peu près avec Aaron parce que c'est pas non plus officiel? Ou que bah, on sait son background à elle avec Aaron? Est-ce qu'elle parle de ça? Je ne sais pas. On va rester vague parce que même moi je sais même pas ce qu'elle raconte. Alors, restons vagues, je n'ai pas envie de me confier à elle. Des mauvais souvenirs. Bref, pour faire court, je n'ai pas trop envie d'aller dans la forêt aujourd'hui. Et puis la ville est petite, mais mignonne. Ah, est-ce qu'elle parle bah, la dernière fois qu'on est allé dans la forêt, il me semble, c'est quand Aaron s'est transformé, hein. Est-ce qu'elle parle de ça? On peut y aller demain, si tu veux. Vers 20 h? Non, je pensais à la journée, à moins que tu ne puisses pas sortir le jour. Je n'ai pas compris cette histoire de Calice. C'est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas baladée de jour. Ça ne me manquait pas et je n'y ai même pas réfléchi. Ne t'en fais pas, c'est encore le bazar dans ma tête. On peut toujours essayer demain, on verra bien. Je ne suis pas un vampire. Alors même moi, franchement, je ne sais même pas si c'est un vampire, un demi-vampire ou si elle est toujours humaine. Je crois qu'elle doit être toujours humaine si vraiment il faut choisir parce que pour l'instant on l'a pas vraiment vue ouais, se comporter en vampire. On peut toujours essayer demain, on verra. Ne t'en fais pas, c'est encore le bazar dans ma tête. On va plutôt lui mettre ouais, je suis pas un vampire, donc je pense qu'elle peut sortir ouais, le jour. Très bien, on va faire un compromis. En fin d'après-midi, 17 h. À demain donc, dans le hall d'entrée. C'est la deuxième fois qu'elle part comme ça. Mon petit doigt me dit que faire la causette n'est pas vraiment son truc. C'est passé. Bref, mine de rien, je suis crevée. Je ferais mieux d'aller me coucher pour être en forme demain matin. Ah, ok. Et bah, dodo. Allons au dodo. Chambre rose. La nuit fut agitée. Je me retournais dans tous les sens sous les draps. J'étais exténuée, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Dès que mes paupières se fermaient, je voyais un loup magnifique qui s'approchait de moi. Et tout de suite après, ma vision se transformait en une belle femme à la peau mate, qui me regardait avec un sourire narquois. Mon cœur se serrait, mais je ne pouvais m'empêcher d'être hypnotisée par son regard ardent. Je ne m'endormis que lorsque la lumière du jour inonda la pièce, et me réveillai quelques heures plus tard lorsque la lumière submergea ma chambre. Minet!
Assis-toi, tu peux rester, mais assis-toi. Tu me gênes. Ton fessier me gêne. Couleur principale, du coup, et j'ai même pas suivi. Ah, bon, c'est bon. Lily, tu as bien dormi? J'espère. En route? Oui, allons-y. Alors, est-ce qu'on va enfin voir la ville? Parce que la dernière fois, on l'avait vue vite fait. Mais c'est vrai que se balader en ville, c'est agréable aussi. Surtout les petites villes, c'est toujours. Les petits villages, ouais, c'est toujours mignon à regarder. Il n'y a pas à dire, sa bonne humeur est communicative. Manoir extérieur. Attends, du coup, non, forêt plutôt, je dirais. Oui. Je ne me sens pas très bien. Je ne pensais pas que les rayons du soleil me gêneraient autant. Mais surtout, quoi, c'est ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie dehors. Elle a perdu l'habitude, non? Ou à moins que oui, c'est un vampire et j'ai fait une erreur. Enfin, un demi-vampire. Enfin, c'est supportable, mais ça gratte. Et puis, dans la forêt, ça devrait aller mieux. Ou ouais, mais si ça la gratte, elle devra peut-être, je sais pas, tu sais, aller chercher genre une ombrelle ou un switch à capuche. Bon, écoute, je ne peux plus de ce silence depuis qu'on est parti. Ah. Je me doute que tu as envie de parler d'Aaron. Vas-y, je t'écoute, pose tes questions. Ah, d'accord. Elle n'y va pas par quatre chemins, dis donc. Ouais, mais c'est mieux, vaut mieux crever l'abcès parce qu'elle a l'air super sympa. Moi, j'ai envie d'être pote avec elle. Aaron m'a déjà parlé un peu de toi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que vous aviez grandi ensemble, que vous avez été un couple, que vous étiez très proches. Que vous avez été un couple? Non, il ne l'a pas dit clairement, c'est ça le problème. Il a été vachement vague, il n'a pas vraiment su nous écouter. Que vous aviez grandi ensemble. C'est vrai, pendant plusieurs années, nous avons été très proches. Nous vivions ensemble. Le plus drôle, je pense, c'est sa tête au réveil. Franchement, ça vaut le détour. Je ne la connais pas, moi. Je ne me suis jamais réveillée près de lui. Pour tout te dire, il comptait beaucoup pour moi, mais je vivais uniquement dans le présent et refusais de penser à l'avenir. J'étais jeune et j'étais persuadée que se lier à quelqu'un, c'était perdre son indépendance. Tu as changé d'avis? J'ai grandi, j'ai vieilli. À la réflexion, les choses auraient pu évoluer différemment, dans d'autres circonstances, mais ce n'est pas le cas. J'ai une boule dans l'estomac, mais il faut que j'en ai le cœur net, du courage. Tu regrettes? Et maintenant, il est qui pour toi? Pourquoi est-ce que tu viens le voir maintenant? Ouais, pourquoi est-ce que tu viens le voir maintenant? Ça me semble plus pertinent. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Et comme je te l'ai dit, il sera le premier à savoir pourquoi je suis là exactement. Est-ce qu'elle serait pas liée au meurtre, un truc comme ça? Je dis pas que c'est elle, mais est-ce que... Voilà, c'est bizarre qu'elle réapparaisse juste à ce moment. Est-ce que quelqu'un de sa meute, je sais pas, parce que rien ne nous dit que c'est un vampire hein, qui fait ça. Ni un loup-garou, c'est peut-être juste un humain. Tout ce que je peux te dire, c'est que pendant longtemps, je l'ai cru mort et que lorsque j'ai appris qu'il était vivant, j'ai mis très longtemps à le retrouver. Ah oui, c'est vrai que de base, il est devenu loup-garou parce qu'il a failli mourir et il est devenu vampire parce qu'il a encore failli mourir. Donc c'est logique. Et tu n'as jamais abandonné? Ah, je viens de comprendre le vrai sens de ta question. Tu te demandes si je viens pour reconquérir son cœur? La réponse est non. Voilà, j'ai été honnête avec toi, c'est ton tour maintenant. Je dois te dire que je n'ai pas été surprise lorsque j'ai vu qu'Aaron était entouré. Il n'a jamais été solitaire. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait trouvé quelqu'un d'aussi proche. Je te retourne donc la question. Qui est Aaron pour toi? C'est vrai qu'elle a été honnête, mais je ne sais pas trop quoi répondre. Est-ce que je dois l'être aussi? Est-ce que je sais vraiment définir ce que je ressens pour Aaron? Je suis amoureuse de lui, je suis liée à lui et je suis heureuse qu'il en soit ainsi. Nous formons un couple. Alors, former un couple, non, c'est vraiment pas ça. Je suis liée à lui, bon, ça le sait qu'on est un calice, donc ouais, on va lui dire ce qu'elle ressent, elle est amoureuse, quoi. J'ai donc bien interprété ton ton, son ton lorsqu'il parlait de toi, c'était proximité. Tu peux la chérir. Il n'accorde pas facilement sa confiance. Je rêve ou c'est une mise en garde? Je ne compte pas le faire souffrir. Oui, mais c'est un peu comme une sœur pour lui, donc c'est un peu normal, c'est un membre de sa famille, c'est un peu normal qu'elle te dise quand même de, voilà,
faut pas déconner. C'est tout membre de famille normale dira de sa sœur ou de son frère ou de sa tante ou je sais pas quoi encore, que voilà. Tant qu'elle n'est pas intrusive. J'ai cru le comprendre. Écoute, je pensais me débarrasser de cette discussion et rentrer au manoir au plus vite pour voir Aaron. Ça c'est dit, elle a autant de tact qu'Aaron. C'est bien au moins. Mais je dois bien avouer que je ne connais pas le Aaron d'aujourd'hui et que je suis curieuse de connaître celle qu'il estime autant. C'est un peu pareil pour moi. J'étais sûre que j'aurais des chagrins lorsque je lui parlerai d'Aaron, mais je dois reconnaître que ça se passe mieux que prévu. C'est vrai que la conversation est vachement... elle se parle à cœur ouvert, c'est bien, n'empêche de faire ça entre ex. Enfin, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais pour la situation là, je trouve que ça va, elles s'y prennent bien. J'aime bien sa franchise et puis Aaron ou pas, Farah a l'air d'être plutôt cool. Oui, voilà, il y a ça aussi, elle est super sympa. Elle est super belle aussi, elle est trop stylée. La forêt défilait sous mes yeux, mais je ne la voyais pas, trop absorbée dans ma discussion avec Farah. Sa voix me charmait, je n'avais Dieu que pour elle. Ouh, dis donc. Bref, assez de discussions, prise de tête. Raconte-moi quelque chose sur Aaron que je puisse le surprendre quand je le croiserai. Qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter? La fois où il s'est étalé par terre? Il s'est étalé par terre? Je m'en souviens pas, je pense pas. Le fait qu'il aime la bière, sa relation avec Ivan peut-être? Non, ça c'est un petit peu trop intime, je dirais plutôt le fait qu'il aime la bière. Parce que le fait qu'il s'est étalé par terre, franchement, je m'en souviens pas. Ouais, non, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un truc comme ça ou qu'il soit tombé ou non. Donc le fait qu'il aime la bière, allez. Tu sais qu'il boit encore de la bière? Juste pour le plaisir? Parce qu'un vampire ne boit pas normalement? D'ailleurs, ça ne mange même pas de la nourriture humaine. Je le reconnais bien là, quand on était plus jeune, on a failli se faire choper un nombre incalculable de fois dans les auberges parce qu'on shippait des tonneaux. Des tonneaux, carrément! Cependant, il était moins regardant à l'époque. De la bière, du vin, il s'en fichait royalement. Tu connais bien Aaron? Tu connais bien Aaron? Pourtant, j'ai cru comprendre que ça ne fait pas longtemps que tu l'as rencontré. C'est vrai, mais si j'ai l'impression que ça fait des années parfois. Je comprends, mais on ne va pas parler de lui toute l'après-midi, j'espère. Non, non, moi j'ai envie qu'on nous parle d'elle. Dis-moi quelque chose. Pardon. Dis-moi quelque chose de toi avant, que j'apprenne à te connaître également. Avant le manoir, j'ai grandi à l'orphelinat. Mes parents sont morts quand j'étais bébé et je ne sais pas vraiment qui ils étaient. J'ai commencé à fouiller le manoir, il leur appartenait, mais pas de piste réelle pour l'instant. Je vois, je comprends. Apprendre par soi-même, se débrouiller, j'ai connu ça aussi. Dans une moindre mesure, peut-être. Mon frère était toujours là. Tu as grandi toute seule avec lui? Pas vraiment. Nous faisions partie d'une famille nombreuse. Ernesto était le plus âgé. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais il s'est disputé avec notre père une fois. J'avais 10 ans environ. Dans la nuit, il m'a réveillée et dit de le suivre. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai fait. Après tout, est flou avant notre arrivée dans la meute. Hein, ils sont enfuis. Nous avons passé plusieurs années tout seuls, mais je ne sais pas trop comment Ernesto se débrouillait pour que j'aie toujours à manger. Il l'a fait jusqu'à sa mort. Est-ce qu'il n'était pas devenu loup-garou? Son père l'a découvert ou un bail comme ça, puis il a décidé de s'enfuir et après bah, sa sœur aussi est devenue loup-garou. Et ce qui expliquerait pourquoi il arrivait toujours à lui trouver à manger. Comment est-ce que vous êtes devenu loup-garou? Ah, ça se trouve, je me plante complètement. Comment est-ce qu'il est mort? Comment est-ce que vous étiez intégré dans la meute? Plutôt, comment est-ce qu'ils sont devenus loup-garou? Moi, ça m'intéresse plus. Je l'ignore, je ne me souviens pas d'avoir été autre chose et Ernesto n'a jamais voulu répondre à cette question. Est-ce qu'ils sont nés du coup, loup-garou? C'est possible, je pense. Et au bout d'un moment, j'ai fini par accepter de ne pas le savoir. Il est mort sans me le dire. Enfin, je vais arrêter de te bassiner avec ma vie et puis remuer la terre du passé, c'est pas vraiment mon truc. J'ai découvert le Jiu-Jitsu récemment. Ah, oh, ça me parle ça.
Enfin, il y a quelques décennies, et quand je n'arrive pas à chasser mes souvenirs ou qu'il faut que je me recentre, ça m'aide. J'aime bien prendre le temps d'explorer mes sentiments. Pourquoi le jiu-jitsu? Je comprends bien que je n'utilise pas la même technique. On va lui dire qu'on comprend. J'essaie de toujours garder un moment pour moi. Qu'est-ce que tu fais de ce temps du coup? On prend des bains. J'aime beaucoup lire, je vais me balader, j'écoute de la musique. Oh, alors franchement, les trois, moi, ça me parle. J'aime beaucoup lire, j'aime bien me promener aussi. Et la musique, c'est tous les jours, hein. Je pense que c'est tout le monde comme ça. Je dirais la musique, c'est ce qui ressort le plus pour moi. Enfin, ce que je fais le plus, en tout cas. J'écoute de la musique. Elle me calme lorsque je suis énervée. Elle me berce pour m'endormir. Elle me console quand je suis triste. Tiens, nous sommes déjà arrivés. C'est la place centrale. Tout se trouve ici. Ouch, le soleil pique. Heureusement qu'il décline assez vite. Ouais, donc elle craint quand même un petit peu le soleil. Donc elle aurait pu prendre ouais, une petite ombrelle ou ouais, un switch à capuche, tout simplement, en fait. Ce n'est pas très grand, effectivement, mais c'est mignon. À moins qu'on puisse en acheter. Oui, le coin n'est pas très touristique, mais les week-ends, il y a plus de monde. Notamment ceux qui viennent pour faire la fête. Pourquoi est-ce qu'ils viennent jusqu'ici? Pour le Moon Dance, tu sais le bar, il est très connu et vraiment select. Tout ce que j'aime. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle s'en fout, mais royale. Je peux te faire un tour de la ville, te montrer les bâtiments, je connais un peu leur histoire. Ça ne me dit rien, désolé. Pour moi, tous ces bâtiments déforment la nature. Ah oui, 100% écolo. Elle n'y va pas de main morte, dis donc. Bref, trouvons un plan B et vite. On peut toujours faire du shopping. Acheter des vêtements, tu veux dire? Je n'en ai pas besoin et je n'ai pas d'argent sur moi. Zut, c'est vrai, moi non plus. En si peu de temps, je me suis déjà coupée de la vie des humains. On peut toujours faire du lèche-vitrine. Pourquoi pas? Je préfère encore ça à admirer des pierres. En quelques minutes, nous avions perdu tout notre sérieux et toutes mes préoccupations s'étaient envolées. Je n'avais jamais fait de shopping aussi drôle. Farah avait un don pour choisir les vêtements les plus ridicules et les associer. Elle défilait ensuite dans le magasin sans se soucier du regard des clientes et des vendeuses. J'admirais sa liberté et la trouvais magnifique, même parée d'un chapeau de cow-boy et d'une veste en plume. Le temps fila si vite que je n'en vis même pas le soleil se coucher et laisser place à l'obscurité. Ouf, il fait déjà nuit, je n'ai pas vu le temps passer. Je pensais que j'allais m'ennuyer, mais non. Elle est si choquée que ça. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas amusée comme cela, merci. Tricot. Enfin, j'ai quand même de vraies questions sur l'utilité de certains vêtements. Sur les talons, sur la fourrure, qu'est-ce qui t'a choqué? Les talons, c'est logique, la fourrure aussi, j'ai envie de dire. On va lui demander ce qui l'a choqué. Je sais que cela fait des lustres que les femmes portent des corsets, des soutiens-gorge. Je t'avoue que ça a toujours été un mystère pour moi. Certaines femmes préfèrent, et puis c'est joli. Mais ils sont très beaux sans mes seins. Attends. Mais ils sont très beaux sans mes seins. Enfin, chacun son truc. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de porter des soutifs, hein. Et puis les soutifs, ça fait quand même mal. Moi, ça me faisait des bleus tout là. Et puis, même quand tu les mets devant, ça te coupe la respiration. Moi, ça me coupait la respiration. Du coup, je suis passée aux brassières, c'est bien mieux. Bref, tu veux faire un dernier magasin avant qu'il ferme? Oui, viens, il y en a un là-bas que j'aime beaucoup et qui pourrait te plaire. Oh, ah, c'est beau! Ah, c'est vrai que les plantes, ça me parle plus que les vêtements. Comme Aaron, j'en étais sûre. Qu'est-ce qu'il te plaît le plus alors? Je pense que c'est le lierre. C'est une plante simple et courante, mais elle est résistante.
J'aime la différence de couleur entre les jaunes, les jeunes feuilles vert clair et les plus anciennes, plus sombres. Ça a l'air d'être un beau magasin en effet. Mais c'est triste d'un côté, que les humains soient si coupés de la nature qu'ils aient besoin de la mettre en pot. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Enfin, je n'ai pas envie que l'après-midi se transforme en séance de nostalgie. Il n'est pas si tard que ça. Je veux essayer d'aller voir autre chose, mais on a déjà fait tous les magasins que je connaissais et ils risquent aussi d'être fermés à cette heure-ci. Peut-être de ce côté-là? Non. Ah, là, on est au bout de la ville. C'est ici qu'arrive le bus de Sweet à Maurice. Il n'y a pas grand-chose d'autre ici, si ce n'est les Moondance. Alors franchement, pour parler vite fait d'Amour Secret, parce que là on a deux trucs de base, Moondance, ça vient de ça, et Sweet à Maurice, je crois que c'est le lycée, hein, Sweet à Maurice. Ouais, c'est Campus Life pour la fac. Et j'ai vu qu'il y avait une troisième saison qui était sortie. Bon, Amour Secret, je l'ai vu, et la saison 2 aussi, mais la saison 3, je ne l'ai pas encore vue. Et je me suis dit que bah, ça serait pas mal de la faire, peut-être, ça me tente bien. Du coup, tant pis, rentrons. Je me suis beaucoup amusée. Je ne savais pas que je pouvais apprécier faire du lèche-vitrine. J'ai toujours eu un rapport compliqué avec les vêtements. Comment ça, raconte? Je sens que l'histoire va être drôle. J'en aurai des tonnes à te raconter. La meilleure, c'est peut-être la fois où j'ai voulu assister à des festivités à la cour. Ouh, ça a dû être quelque chose. J'étais curieuse et j'avais trouvé une robe luxueuse. Trouver ou voler? J'avais réussi à l'enfiler sans trop de peine. Les choses se sont gâtées lorsqu'il a fallu que je marche. Au bout de quelques mètres, je me suis retrouvée le nez dans la boue. Ah, ce n'est pas le même niveau, mais je peux comprendre. Une fois, j'étais tellement stressée que j'ai passé un examen oral avec un pantalon à l'envers. Et je ne comprenais pas pourquoi les profs me dévisageaient. J'imagine leur tête. J'appréciais de plus ce moment passé en la présence de Farah. Nous évoquions diverses anecdotes tout en revenant sur nos pas pour retourner au manoir. Ah là là, je te jure. Alors par contre, chemin du village? Oui. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un par ici. Et seul en plus. Attends, c'est quoi ça là? C'est un vampire ou un loup-garou? Ça a l'air d'être un loup-garou, il a des cicatrices de partout. Est-ce que du coup. On se rappelle qu'il y a un meurtrier en série, hein? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, elle le connaît. Est-ce que c'est le chef de la meute? Elle le connaît? Je t'attends. Je t'ai vu aller vers la ville. Est-ce que tu as conscience des risques que tu prends? Et qui c'est celle-là? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Je te conseille donc de rentrer bien gentiment, Gareth. Ah, Gareth! Elle est impressionnante. Je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Franchement, vaut mieux se taire dans ces cas-là. Tu mets en péril la meute. Je ne vais pas te laisser faire. Ouais, donc c'est genre le chef ou un en dessous, enfin voilà. Tu vas faire ce que je te dis surtout. Et pour ta gouverne, je sais parfaitement ce que je fais. Le chef de la meute, j'ai plus de doute vu comment elle lui parle. Ça doit être soit un ami, soit quelque chose comme ça. La pleine lune approche. Et je serai là, comme d'habitude, contrairement à d'autres. Viens, Lily, cette conversation est terminée. Et Gareth sait qu'il est sage de ne pas me suivre. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'est qui ce Gareth? Qu'est-ce qu'il te voulait? Autant me taire, attendre le bon moment pour poser mes questions. Il ne nous suit pas, tu l'as convaincu. Elle a l'air vénère. Je préfère me taire en fait, et peut-être qu'elle en parlera d'elle-même, je sais pas. Farah a l'air soucieuse. Je crois que j'ai bien fait de la laisser tranquille. Ok, on va au manoir. Nous sommes arrivés. Rentre bien. Et pas la peine de me suivre, je m'en apercevrai très vite. Ok. Tu ne viens pas à l'intérieur? Je croyais que tu devais parler à Ron. Apparemment, il y a plus urgent. Je dois régler ce problème. Bonne nuit.
Ok. Le temps s'était brusquement accéléré et mon cœur suivait la cadence. J'avais vu Farah passer d'une femme enjouée à une créature prédatrice. Ouh, ça va se castagne. Ces deux visages me fascinaient autant l'un que l'autre. Mais j'étais complètement affolée. Je restais là un instant, pardon, avant de prendre la décision la plus logique. Il faut que j'en parle à Aaron. Il est déjà tard. À cette heure-ci, s'il n'est pas sorti, je le trouverai sûrement dans le petit salon. Et d'ailleurs, je dis ça, mais on est allé quand même en ville. Merde, je suis perdue. Est-ce que, du coup, il n'y a pas eu de problème pour le lien là? Bon, Aaron, je suis contente que tu sois là. Bonsoir Lily. Moi aussi, je suis heureux de te voir. Comment vas-tu? Tu es reposée? Je viens de voir Farah. Il y a un problème? Non, moi, pour moi, il n'y a pas l'air. Je viens de voir Farah. Vraiment? Pourquoi? Enfin, je veux dire, de quoi avez-vous parlé? Oula, panique. Ne t'inquiète pas, c'est bien passé, vieux. Beaucoup de choses. De toi, principalement. Nous sommes allés faire les boutiques. Beaucoup de choses. Je vois que tu as l'air perturbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lit en moi comme dans un livre vert. Donc, je suis allée avec Farah en ville. Et quand on est revenu, il y avait cet homme qui nous attendait, Gareth. Son visage s'est complètement fermé. Il se passe décidément quelque chose. Aaron, dis-moi, qui est Gareth? Aaron, ça ne va pas. Ne t'inquiète pas, Farah va bien. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu qui est Gareth. On n'a pas pu demander à Farah, on va lui demander à lui. Gareth, encore lui. Je savais bien que c'était trop beau que Farah fasse son apparition. Explique-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir, de comprendre. Gareth faisait partie de la meute des loups-garous à laquelle j'appartenais. Et apparemment, c'est toujours le cas, comme Farah. Oui? Oui, mon chat, là là. Oh, attends. Ah si. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me voir hier? Je te rappelle que tu as dormi une partie de la nuit. Elle m'a dit qu'elle avait des choses à gérer entre-temps. Je rêve ou tu cherches à esquiver ce sujet. Qui est Gareth? Ouais, il est en train d'esquiver là. Il nous a pas répondu. Réponds à la question. Non, enfin oui, peut-être. Tricot, tu me fais bouffer tes poils. Il faut que tu saches. Gareth est la raison pour laquelle je ne suis plus membre de la meute. Ah, il s'est fait chasser? Ou c'est lui qui l'a assassiné? Enfin, qu'il a essayé de le tuer? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? Et qu'est-ce que Farah vient faire là-dedans? Je croyais qu'il te pensait mort à cause d'un combat. Oui, contre lui, je pense, c'est ça. On va faire celle-là. C'est vrai, un combat, pas une bataille. Contre Gareth. Oui, c'est bien ce que j'avais dit, du coup. Ils se sont battus. Gareth devait être jaloux parce qu'il voulait Farah. Du coup, il s'est battu avec Aaron et il l'a laissé pour mort, pensant qu'il l'avait enfin tué et gagné. Et finalement, non. Mais laisse-moi t'expliquer, une fois pour toutes, ce que je connais de l'histoire, car je ne sais toujours pas comment Farah m'a retrouvée. Tu sais que je n'ai jamais été très bien acceptée dans la meute. Gareth faisait partie de ceux qui pensaient que je n'étais pas le bienvenu. Au début, je n'étais pas une menace, il n'a rien fait. Mais le temps a passé et la meute commençait à écouter ma voix. Ah, lorsque celui qui nous guidait, notre alpha, est mort d'un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Oh. Lorsqu'on a recouvert son corps de feuilles et qu'on a hurlé à la lune, une période de chaos a commencé. Les combats pour prendre sa place se sont enchaînés. Personne n'était vraiment prêt. Nous avons perdu des membres chers à ce moment. Pour arrêter le carnage, la meute s'est scindée en deux. Cela a duré quelques mois, mais nous étions désorganisés. Les humains ont commencé à nous poursuivre. Il a fallu se regrouper à nouveau pour survivre, mais la question du meneur n'était pas réglée. Je n'avais jamais considéré l'être, je ne me sentais pas légitime, mais beaucoup m'ont encouragé, m'ont poussé. En face de moi s'est tenu là pour le titre d'alpha, il y avait Gareth et Farah, et d'autres dont je ne me souviens plus les noms. Le sort a décidé que c'était eux deux qui devaient commencer. Après les Catombe de la dernière fois, nous avions décidé que les combats ne seraient pas à mort cette fois-ci.
Ça aurait été bien de le décider avant, mais bon. Mais je l'ai vu. Je l'aurais tué. Mais je l'ai vu, il l'aurait tué. Gareth, il ne croit qu'au sang. Je n'ai pas réfléchi, pas hésité, j'ai bondi. Ce coup de griffe, celui qui m'a entaillé le ventre, il était destiné pour elle. Ah ouais, d'accord. Pendant que je crachais tout mon sang, je l'ai vu porter Farah inconsciente et ils m'ont laissé là. Tu connais la suite. Ok, d'accord. Donc c'était bien au cours d'une bataille. Je rebranche ça. Hop. Et du coup, il l'a sauvée. Donc, est-ce qu'on peut dire que ouais, Gareth est nouveau alpha du coup? Je l'avais laissé parler. Le flot de mots m'avait emporté dans cette époque lointaine, dans un monde de règles cruelles que je n'arrivais pas à comprendre. Tant de sentiments se mélangeaient en moi que je ne savais pas quoi dire. Tristesse à la vue d'Aaron abattu. Peine à l'idée qu'il avait déjà donné sa vie à une autre. Peur lorsque je réalisais qu'un monstre en avait peut-être après Farah et Aaron. Colère de me sentir impuissante. Pour quelqu'un qui m'a promis l'honnêteté, tu es bien secret. Tu t'es sacrifié pour Farah. Nous sommes en danger alors. Là, il vient d'être honnête. Farah, il l'a sauvé. C'est un petit peu normal, je pense. Voilà quoi. C'était censé pas être des combats à mort et il a vu que l'autre, il en avait rien à foutre. Il l'a sauvé, ça aurait été n'importe qui quoi. C'est tombé sur elle, c'est tout. Enfin bon. Alors, nous sommes en danger alors. Je vois que tu ne m'en veux, que tu m'en veux. J'aurais dû t'en parler avant, mais je ne sais pas. Enfin, ce qui est fait est fait. Ne m'en veux pas, je suis loin d'être aussi parfait que toi. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas la question. Attends, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé agoniser? Pourquoi est-ce que tu devais affronter Farah? Pourquoi la meute s'est séparée en deux? Attends. Affronter Farah? Pour le statut d'alpha, je comprends pas. Oui, mais moi je suis perdue là en fait. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé agoniser? Alors franchement, les deux là, elles sont intéressantes, mais je sais pas. Allez, pourquoi tu devais affronter Farah? Tu n'en avais pas parlé? Non, je n'avais pas eu l'occasion. Lorsque la meute s'est séparée, je suis allée d'un côté et elle de l'autre. Nous n'avions pas eu de contact pendant quelque temps. Je me souviens de l'horreur que j'avais ressentie lorsque je l'ai vue en face de moi. Je savais que je ne devais pas la tuer, mais la blesser. Je ne savais pas si j'en aurais été capable, parce qu'elle comptait beaucoup pour moi. Pour toi, pardon. Je viens de voir que c'était Lily qui parlait. Pas seulement, je n'étais pas sûre d'être meilleure qu'elle. Farah a toujours été une combattante exceptionnelle. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, j'ai perdu la nuit à parler. Je ne vais rien pouvoir faire avant demain. Si tu veux bien m'excuser. Oh. Et t'es sortie en trompe de la pièce. Ok. Par réflexe, je m'étais précipitée à sa suite. Mais je n'avais pas réussi à la rattraper. Et je réalisais que je n'en avais pas complètement envie. La colère bouillait en moi. Il m'avait caché tant de choses. Et apparemment, je n'étais pas assez importante pour lui pour qu'il juge me devoir des explications. J'étais seulement du temps perdu. Je repensais à ces mots aigres. Ma seule envie était de noyer mes chagrins dans un bain bouillant. Oui, allons prendre un bain! Allez au bain! Ah! Si ma colère aveugle s'était progressivement dissoute dans l'eau chaude, me restait sur le cœur un amoncellement d'inquiétude. Que voulait Gareth? Pourquoi Farah était là? Qu'allait faire Aaron? Les questions m'assaillaient comme des vautours. L'eau refroidissait, mais je grelottais surtout à l'idée qu'il puisse arriver quelque chose à Aaron. Gareth l'avait déjà battu une fois, déjà tué une fois. Que se passerait-il s'ils devaient s'affronter encore? Mais pourquoi s'affronterait-il? Farah avait-elle révélé l'existence d'Aaron? Je me sentais complètement dépassée, pion au milieu d'un échiquier géant, prise à un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Les heures passaient et je ne trouvais aucune solution, aucune réponse sur le plafond blanc immaculé de la salle de bain.
À un moment, un sursaut d'énergie me poussa à me lever. La passivité dans laquelle je m'étais vautrée dans la torpeur du jour avait laissé place à un besoin d'action, maintenant que la nuit revenait conquérir le monde. Mon corps réclamait le repos, mais je ne me laissais pas faire. D'abord un café, ensuite un plan, il faut que j'arrête de me morfondre. Ça ne va pas faire avancer les choses. Ah, c'est bien! Ce serait temps de se réveiller, ma cocotte. Du coup, cuisine? Non, je me suis plantée, c'est la bibliothèque, pardon. Cuisine. Lily! Oh, tu es si choquée de me voir? Aaron! Nous avions parlé presque en même temps et un malaise amer s'était installé dans la pièce, comme l'odeur entêtante d'un plat qu'on aurait oublié sur le feu. J'avais fini par comprendre qu'Aaron, en tant qu'hybride, pouvait mieux supporter le soleil que ses comparses du manoir. Mais j'étais toujours un peu surprise de le croiser en journée. Maintenant, face à face, une bête féroce remuait dans mon ventre et je ne savais pas quoi faire. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'écoute. S'excuser, je sais pas, parce que voilà, on lui a parlé. Après, j'ai pas envie de dire que c'est de sa faute parce qu'il a pas été honnête. Il va pas non plus nous déballer toute sa vie comme ça. Surtout que voilà, il a vécu des centaines d'années. C'est pas en une soirée qu'il va nous raconter toute sa vie, tous ses secrets, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de trouver quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à boire pour me donner le courage de venir te parler. Un vieux réflexe. Et qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? Je cherchais la meilleure manière de te présenter mes excuses. Je ne suis pas très douée avec les mots. Sauf quand il s'agit de blesser. Quitte la pièce, ce n'est pas des mots. Quitter la pièce, ce n'est pas des mots. Je sais, je commence à te connaître, ce n'est pas grave. On va pas dire que c'est pas grave non plus parce que voilà. Quitter la pièce, ce n'est pas des mots, sauf quand il s'agit de blesser. Je dirais quitter la pièce, ce n'est pas des mots. Allez. Je n'ai pas réfléchi, j'étais énervée, je suis désolée. J'ai été idiot hier. Son sourire sincère, son regard apeuré, sa main tendre. Je sens mon cœur fondre dans ma poitrine et je lui pardonnais tout. Qu'importait le reste si nous étions ensemble? Et maintenant, nous pourrions peut-être essayer de résoudre notre problème. J'étais venue ici chercher du courage et des solutions. Je dois t'avouer que j'ai l'impression que les enjeux m'échappent. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis? Je n'y vois plus clair. Recommençons depuis le début. Que sait-on d'abord? Farah a retrouvé ta trace alors qu'elle te croyait mort. On ne sait pas comment ni pourquoi. Ensuite, Farah et Gareth sont encore en contact. Donc, soit Gareth sait que je suis vivant, soit il l'ignore. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est plus logique, mais du coup, ça veut dire que Farah ne fait plus partie de la meute? Ou comment ça se passe? Parce que si c'est un malala, si c'est lui l'alpha, admettons, je trouve que Farah, quand même, c'est couillu comment elle lui parle, quoi. Tu parles pas comme ça à ton alpha ou à ton boss, juste. Donc, est-ce que Farah ne fait plus partie de la meute? Parce qu'elle voulait retrouver lui, mais elle voulait pas que Gareth le sache, vu que c'est lui qui l'a tué. Va savoir. Gareth doit savoir que tu es en vie. Gareth ne sait pas que tu es en vie, sinon il serait venu te voir. Moi, je suis plus pour... Ouais, Gareth, il sait pas que, bah, il est en vie. Farah l'a appris. Elle a eu un doute sur la mort d'Aaron, et du coup, elle est allée chercher sans le dire à Gareth, parce que voilà, c'est lui qui l'a tué. Et du coup... Gareth ne le sait pas. En tout cas, j'ai pas l'impression parce qu'il a pas du tout évoqué Aaron quand on l'a croisé. Donc voilà, je dirais que ouais, plutôt il le sait pas. Moi, je dirais ça. C'est vrai qu'il est impulsif et irréfléchi, mais qu'est-ce qu'il faisait si près du manoir? Qu'est-ce qu'il fait avec Farah? Ils sont peut-être encore dans la même meute, mais Farah lui cache que tu es encore en vie. Peut-être qu'elle ne lui a pas encore dit que tu étais vivant. S'ils ne sont plus dans la même meute, c'est peut-être c'est peut-être elle qu'il cherche, pas toi. Moi aussi, c'est mon hypothèse. Si du coup Farah est partie pour retrouver Aaron sans le dire à Gareth, elle a peut-être quitté la meute entre guillemets. Elle s'est enfuie, elle a fait une fugue, on va dire.
Et du coup, elle ne le sait pas. Et du coup, lui, il est parti chercher Farah, pas Aaron, vu qu'il le croit mort. Non? Pour moi, c'est le plus logique, en fait. Donc, ils ne sont pas dans la meute. C'est peut-être elle qu'il cherche, pas toi. Qu'est-ce qu'il veut à Farah? Je ne le laisserai pas faire. Il ne cache pas ses sentiments envers elle. Je comprends, mais c'est difficile aussi. La menacer, l'intimider, lui prendre sa place, lui proposer un pacte. Attends, lui prendre sa place? C'est pas Garrett le mâle alpha? Oui, je sais pas. Soit Farah, soit Garrett, mais je dirais plus Garrett vu que il a tué Aaron. Et Farah, il a dit qu'il la prenait, elle était inconsciente. Donc en toute logique, c'est Garrett le mâle alpha. À moins qu'il ait reporté le combat parce que lui, il s'est interposé, peut-être. Lui proposer un pacte. Lui prendre sa place. Ah, je sais pas. Je suis pas sûre en fait que qui est l'alpha. Donc, j'irai lui proposer un pacte. Bref, quoi qu'il en soit, Farah saura nous expliquer. Et elle n'a pas le choix. Ah, on va aller la confronter. Nous avons besoin de réponses. Elle est peut-être revenue dans les parages. C'est elle qui voulait me parler après tout. Est-ce que tu veux bien m'aider à la chercher, s'il te plaît? Bien sûr. Nous serons plus efficaces si nous nous séparons. Je vais faire la forêt que je connais mieux que toi. Est-ce que tu peux te charger du manoir? Oui, on se retrouve dans le jardin. Allons-y. Eh bien, c'est parti. Un petit salon, grand salon, hall du manoir. On va aller dans les étages. Plutôt par ici. Ah, personne de ce côté-là. Est-ce qu'elle est déjà revenue au moins? C'est vrai que c'était la pleine lune, un truc comme ça, je sais pas. On va quand même aller au bout, on sait jamais si on croise quelqu'un. Farah! Farah! Tu es dans le coin? Ah, Vladimir, il n'y a que moi et j'aimerais le calme si tu le permets. Bonne nuit. Ah, pardon. Bon, j'ai réussi à énerver Vladimir et toujours pas de Farah. Zut! Bon, on va revenir en arrière. En arrière, on va descendre. Bibliothèque peut-être? Au fur et à mesure de mes errances pour trouver Farah, la tension dans l'air se faisait de plus en plus palpable. Le manoir était étrangement silencieux et l'atmosphère était pesante, comme à l'approche d'une tempête. Et Farah restait introuvable. Oh. Peut-être dehors. Ah non, j'aurais préféré le jardin. Ah, jardin, voilà. Manoir extérieur, cuisine. Merde, je me suis plantée de bouton. Non, je tourne en rond. Bon, on va monter dans les étages. Ma chambre, je pense pas. Non, la salle de bain, on sait jamais. Non. Donc là, non. On va aller au bout. Oh là là, ça y est, je sens que je vais tourner pendant 15 000 ans. On tombe sur Ethan. Qu'est-ce que tu fous là? Toujours aussi aimable. Enfin, je n'ai pas vraiment le temps de m'embêter avec ça aujourd'hui. Tu n'aurais pas vu Farah par hasard? Tu me prends pour le gardien d'immeuble ou quoi? S'il l'avait vu, il aurait commenté. Je commence à le connaître. L'énergumène. Pas la peine de traîner ici. Ok. Grand salon? Petit salon? Et allez, c'est reparti pour un tour. Non, 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 non. Cuisine, non. Bibliothèque, non. On va retourner dans les étages. Plutôt ici. Ah, ça y est, je suis tombée sur quelqu'un, sur Aaron. Lily, on arrive en même temps. Tu as trouvé Farah? Non, personne. Tout est calme dedans. Je pense que tu n'as pas eu plus de chance que moi puisque tu poses la question. Oui, je n'aime pas ça. Elle a disparu sans rien dire. C'est peut-être normal après tout. Elle n'a pas été beaucoup au manoir depuis la fête. Qu'elle ne soit pas ici, c'est une chose, mais je n'arrive même pas à suivre ses traces à l'extérieur. Elle les a effacées, et très efficace. Il a l'air agacé, mais aussi impressionné. Je pourrais être jalouse, mais je dois avouer que Farah me bluffe aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend, j'ai horreur de ça, mais on n'a pas d'autre choix. Je ne veux pas m'éloigner trop du manoir avec le tueur fou qui rôde. Il n'a pas frappé à nouveau ces derniers jours.
Non, ça a l'air d'être s'être calmé pour l'instant. Mais je ne veux pas mettre l'ensemble du groupe en danger en m'occupant seulement de mon histoire personnelle. Je dois rester sur mes gardes. Bref, rentrons, tu es frigorifié. Je n'y avais pas fait attention, mais c'est vrai que je grelotte depuis tout à l'heure. Une seconde auparavant, lorsque nous parlions d'un événement tragique, son regard était dans le vague et son ton froid. Puis le présent reprit ses droits et son attention se concentra sur moi. Il m'observait et je pouvais lire toute son inquiétude et son amour. Je vais y arriver. Il se rapprocha de moi et passa un bras protecteur sur mes épaules tandis que sa main libre frottait énergiquement ma peau glacée. Fini, soit tu pars, soit tu restes. Son geste n'avait pas été prémédité. La chaleur qui m'envahit immédiatement n'était pas que physique. Mon cœur se gonfla de joie à l'idée que son instinct lui dicte de prendre soin de moi. Sa tête s'appuya légèrement sur la mienne, comme s'il voulait m'envelopper tout entière. Je fus celle qui combla la distance entre nous et me blottit contre son torse accueillant. J'étais encore transie, mais j'étais heureuse. Tu n'as pas obtenu d'illustration cette fois, n'hésite pas à rejouer ce chapitre. Mais putain, j'arrive pas à les avoir, les illustrations, c'est dingue. Ah, je vais quand même aller voir du coup. Moonlight, attends, on va faire comme l'autre fois. Ouais, ça doit être, c'est ça. On fait un câlin, c'est trop mignon, là là. Ok, bon, on a vu l'illustration, faute de ne pas l'avoir vue. Ouais, maintenant, je loupe toutes les illustrations, je vais les voir directement, parce que voilà, au bout d'un moment. Hein. Bon. Il faut que tu te réchauffes. De quoi as-tu envie? Pragmatique comme toujours, mais je sais que c'est sa manière de montrer qu'il tient à moi. Une boisson reguivergante, me mettre au coin du feu, mais je ne suis pas sûre que la place soit libre, me blottir sous la couette. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est vrai qu'il y avait Ivan dans le salon. Boisson, non. Plutôt se blottir sous la couette? Si tu veux tester la mienne, elle est en plume. Oui. Il est en train de m'inviter dans sa chambre. Il n'est pas très doué, mais c'est mignon. Et on va enfin avoir sa chambre. Volontiers. Je te laisse passer devant. Ah, c'est à moi, cuisine. Hall du manoir. Hop. Ici, du coup. Le couloir que je connaissais si bien me paraissait étrange. Je sentais la présence d'Aaron derrière moi. Il attendait que je fasse le premier pas. Mon cœur palpitait d'excitation mêlée d'interrogation. Qu'allais-je trouver? Ah non! Il nous laisse sur ça? M'en fous, de toute façon, 10 minutes avant que je finisse, on passe au chapitre 8. C'était à moi de pousser la porte, à moi de choisir de le découvrir, à moi de prendre les rênes. Je me laissais entrer dans sa tanière et je devinais à quel point c'était une marque de confiance pour lui. Oh, c'est très joli et j'aime bien son lit. Sa chambre sentait le sous-bois. J'admirais un instant la beauté simple des objets qui l'entouraient et la douceur du tableau de Monet qu'il avait choisi avant de me tourner vers lui. J'avais trouvé les mots qui me manquaient un moment pas à me manquait un moment auparavant, des mots de réconfort, des mots d'encouragement, des mots d'amour. On ne peut pas changer le passé, que ce soit hier ou il y a des siècles. Ce que je veux, c'est me battre pour notre futur. Ron se figea, normal, prit mes mains dans les siennes, planta son regard dans le mien. Mon cœur fit un bond dans la poitrine. Quel sortilège mes mots avaient-ils lancé? Oh, Lily, je t'aime, ça y est! Je n'ai jamais cru à l'amour éternel, je n'ai jamais cru à l'âme sœur, je n'ai jamais cru au destin. Mais tu es là, devant mes yeux, à côté de moi, et tes mots, de simples mots, m'ouvrent le cœur plus que n'importe quelle arme aiguisée. Je ne sais pas ce qui va advenir de nous, mais je ne peux me cacher plus longtemps de ce sentiment qui me pousse à te toucher partout, à pleurer quand tu es triste, à vouloir te faire sourire. Aaron, même avant de te connaître, je t'aimais déjà. Oh, c'est un peu poussé quand même, je trouve. Aaron, je t'aime, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Aaron,
Ah, quel que soit le futur, je t'aimerai toujours. Plutôt, Aaron, je t'aime, ne t'inquiète pas de ce qui va, arriver. Bon, il faut vivre un petit peu l'instant présent, je trouve. Hop, dans un geste brusque et tendre, Aaron attrapa ma taille et m'attira à lui. Les doigts de ma main gauche se plongeaient dans mes cheveux détachés et son visage plongea vers le mien. Il me maintenait fermement au plus près de lui et je le sentais trembler d'excitation. Son étreinte était fougueuse et animale. Ce jeu me plaisait et je le poussais vers le lit et il tomba ainsi. Je bondis sur lui et à califourchon tentais de l'allonger complètement en saisissant ses poignets. De ses mains chaudes, il attrapa mes cuisses dénudées, me souleva comme une plume et me retourna dos à la porte. Alors que je reprenais mon souffle, il s'amusa à glisser sa langue contre mes lèvres. La décharge chaude qui se propagea dans tout mon corps finit d'endormir ma raison et je ne fus plus qu'instinct. Je mordis son cou et en grognant de plaisir, il relâcha un instant son attention. J'en profitais pour le repousser contre la bibliothèque qui tomba sous le... qui trembla sous le choc, pardon. Ma main droite était contre sa poitrine et le maintenant tandis que ma main gauche courait sous ses habits contre sa peau. Tu es sûr, on peut prendre notre temps? Franchement, là, vous avez l'air à fond. Oui, j'ai envie de toi. Pas vraiment, tu as raison. Nous avons un dernier. Oh, non, 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 non. Maintenant, on veut maintenant. Je me sentais puissante, pleine de vie et de désir. Tricot, tu m'as tellement dans un moment là. Avoir le sourire d'Aaron et à sentir ses muscles bander contre mes mains baladeuses, je savais qu'il aimait me voir ainsi. Pendant un moment, nous avons lutté pour être celui qui dirige, celui qui donne à l'autre le plaisir. C'est devenu un match de catch entre-temps. Nos habits avaient été arrachés, nos peaux griffées et mordues. Je jouissais de le voir se cambrer sous mes caresses et mes baisers. Ouh! J'ai envie de te sentir tout autour de moi. Les mots étaient crus et rares dans nos bouches, mais nous n'avions pas besoin de la parole pour diriger nos corps qui, à l'unisson, se rejoignaient et se repoussaient violemment et tendrement. La nuit fut longue et agitée. Nous nous endormîmes, épuisés dans les bras l'un de l'autre. Mais ce répit ne fut que de courte durée, puisqu'une voix énervée nous réveilla en sursaut. Ah! Ah, c'est étonnant. Bah, au moins, ils ont pu faire leur truc, ça y est, la décharge a été déchargée du coup. Quand vous aurez fini de baisser. Alors, franchement, pour le coup, je me remets pas, attends. Quand vous aurez fini de baiser, Aaron, on a besoin de toi. Raphaël a senti un truc bouger dehors. Franchement, c'est cocasse. Moi, je trouve ça marrant. Il le prend avec humour. Oups! C'est vrai qu'on a dû faire pas mal de bruit à Ethan. Ah oui, il est juste à côté? Enfin, j'ai passé un peu trop. Un trop bon moment pour en avoir quelque chose à faire. On arrive! Ah là là, c'était bien marrant cette petite scène. Du coup. On va y aller en équipe réduite en fait. Où est Ethan? Où sont les autres? En train de verrouiller les manoirs, de faire le tour à l'intérieur. Il faut que tu retournes l'un d'eux, Lily. Ah, que tu retrouves, pardon, j'ai bugué. Il faut que tu retrouves l'un d'eux, Lily, pour que tu sois en sécurité. Pas question, je viens avec vous. Ah non, il voulait nous renvoyer dans notre chambre, pardon, j'ai mal lu. Mes yeux commencent à fatiguer. Je ferais mieux de ne pas broncher, ce n'est pas le moment. Tu as raison, tu sais où est Raphaël. Moi, j'ai envie de participer, quoi. Au bout d'un moment, je suis pas une petite fille. Une fleur aussi jolie que toi n'a pas besoin de risquer d'être abîmée. Oui, voilà, c'est ça le truc. Non, je suis pas d'accord. C'est ma maison, je veux participer. Béliat, c'est sa décision. Et tu vas la respecter sans commenter. J'aurais aimé que ce soit notre meuf qui le dise, mais bon, c'est pas bien grave. Attends, mais du coup, il faut que je fasse quoi là? Je suis perdue. Ah, je ne vois rien du tout. Raphaël a dit entendre des bruits étranges et ressentir une aura malfaisante.
Mais tout a l'air calme ici. Vous voyez quelque chose? Pas grand-chose. Quelques gouttes de sang à droite et à gauche, mais elles ne sont pas récentes. C'est comme la dernière fois. On peut remarquer des traces de passage, regarde, ici et là, mais elles ne mènent à rien. J'ai l'impression de passer mon temps à chercher des gens sans les trouver. À se demander si Aaron est un si bon pisteur que ça. Comme s'il s'était évaporé. Bref, ça ne sert à rien de rester dehors plus longtemps. C'est bizarre parce que Farah s'est évaporé de la même manière, non? J'ai l'impression. En tout cas, ils savaient effacer leurs traces. Donc c'est probablement un des membres de la meute. Pas forcément Farah ni l'autre, là, je ne sais plus déjà son nom. Mais peut-être encore un autre. Qui sait? Je n'ai aucune vocation à devenir une cible facile. Je ne suis pas sûre. S'il nous épie, c'est peut-être risqué, effectivement. Mais aucun d'entre nous ne détecte sa présence. Je ne suis pas sûre qu'on fasse le poids à trois s'il nous tombe dessus. On pourrait examiner un peu plus les traces. Il faut peut-être essayer d'aller voir plus loin. Bah les traces, il les a pas mal examinées déjà. Je dirais plutôt aller voir plus loin. Parce que rester autour du manoir, ça sert pas à grand chose. Tu as raison. C'est un des principes de base. Si une trace n'est pas claire, cherchez la suivante. Exactement. Si vous refusez d'écouter la voix de la raison, ce sera sans moi. Les petits amis, je rentre. Oh, quel lâcheur! Nous n'avons pas besoin de lui. Et il préviendra les autres. C'est bien, viens. Ok, donc allons dans la forêt. Oula, alors c'est moi qui dois mener par contre? Plutôt les marais, non? Oh. Chemin du village. Je précède Aaron dans le calme de la forêt. Marchant minutieusement dans ses pas. C'était une nuit paisible, surtout depuis qu'il avait laissé derrière eux les parfums entêtants et les trépignements de Béliat. Je respirais quand même à peine à pleine gorgée et le vide se fit dans mon esprit. Quand je reviens à moi, je m'aperçus que le monde me semblait plus clair. J'essayais de déchiffrer la forêt. Ici, des branches sont cassées sur plusieurs mètres, à droite et à gauche, comme si quelque chose de très large était passé en force. Oui, donc un loup, tu progresses. Sans que j'aie besoin de te dire quoi que ce soit, tu m'impressionnes. Ça y est, je sens que j'ai les joues en feu et j'ai perdu tout le calme que j'avais il y a une seconde. Ce ne sont clairement pas des traces de notre meurtrière. De notre meurtrier, pardon. Pourquoi? Comment ça? Mais de qui alors? D'un loup-garou. Mais pas Farah. Elles sont récentes. Je ne les ai pas vues la nuit dernière. C'est Garrett alors? Il n'y a pas de doute possible? Sûrement. Ce n'est pas étrange puisque tu l'as croisée la dernière fois près d'ici. Ça ne t'inquiète pas plus que ça de savoir qu'il rôde autour du manoir? Pas plus qu'avant. Nous n'avons rien appris de plus. Deux dangers sont identifiés. Le loup, le vampire sanguinaire et Garrett. Mais nous ne connaissons pas leur intention ni leur mode opératoire. Attends une seconde. Vampire sanguinaire? Donc ça veut dire que c'est un vampire le responsable. Enfin, il pense. Parce que j'ai loupé des trucs encore une fois. Ou j'ai oublié des trucs encore une fois. Décidément, je ne ferais pas une bonne détective. Donc apparemment, il soupçonne un vampire. Et on sait qu'il y a Garrett dans les parages. Oui, ça on l'a compris. Il faut ranger notre frein. Je n'en peux plus attendre de ne pas savoir. Je comprends. Moi aussi, je suis sur les nerfs. Pour me calmer, j'ai l'habitude de laisser le loup en moi me guider et de chasser jusqu'à n'en plus pouvoir. Je ne sais pas trop comment, mais veux-tu qu'on essaie quelque chose de semblable? Oui, peut-être que je peux partager tes sensations lorsque tu es loup. On peut essayer, je suis en terrain inconnu comme toi. Je vais y arriver. Tu te souviens, je ne pourrais pas te répondre, mais nous essaierons de communiquer autrement. Je sais que tu n'aimes pas te transformer devant moi. Par devant, je te rejoins. Merci, peut-être un jour.
J'attends quelques instants, je l'ai déjà vu en loup, mais mon cœur battait à tout rompre d'excitation. Je brûlais d'impatience de le revoir ainsi, de le découvrir un peu plus. Un doux grognement me fit comprendre que je pouvais m'avancer vers lui. Comme la dernière fois, il était là, fièrement dressé devant moi, et j'avais l'impression que son regard d'or mettait à nu chacune de mes pensées. Je pris une grande inspiration et ne retiens rien. Les barrières que j'avais patiemment érigées pendant de longues années tombaient une à une, les unes après les autres. La politesse, le mensonge, l'individualisme, tous ces réflexes d'humain me quittaient et le monde m'apparut plus simple. Ceux qui chassent et ceux qui sont chassés, ceux qui sont de ma meute et ceux qui ne le sont pas, mon compagnon et les autres. Le passé et le futur devinrent flous. Seul existait le présent. Aaron et moi, la forêt qui nous entoure, les proies qui y courent, l'air humide sur nos peaux. Ok, bon, ça fait un moment que je joue, je pense que je vais m'arrêter ici. Oh. Donc, il s'est passé pas mal de choses dans cet épisode. Notre couple a enfin franchi un pas, donc c'est bon, je pense qu'on peut se dire en couple. Franchement, on a brisé la glace avec Farah, ce que je voulais faire, c'est cool. Bon, là, elle a disparu, c'est un petit peu inquiétant, mais bon, je pense qu'on va la retrouver. J'espère pas morte. Après, bon. Pour les meurtres, franchement, j'avais pas suivi qu'il y avait un vampire. Je pensais que c'était vraiment un loup-garou ou un vampire, mais pas forcément les deux, apparemment, je sais pas. Peut-être que, ouais, Gareth s'est allié avec un vampire qu'on connaît pas. Je ne sais pas. Franchement, là, je saurais pas dire. J'ai même pas un début de piste. Je n'en sais rien. Enfin, bon. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Salut!